Eh bien, bonjour, chers amis voyageurs, ici Chris. On est de retour sur Empyrion, les amis, pour continuer nos aventures. Alors, bon, déjà, on va recommencer là-dedans. Ça, encore pas poussé, hein. Tant que je suis pas connecté au jeu, hein, les amis. Alors, j'ai arrêté mon serveur privé sur Empyrion parce que bon, il y avait personne dessus. Ah, ça faisait presque 3 semaines qu'il n'y avait pas eu personne, à part moi, et puis bon, de temps en temps, l'ami Archibald qui jouait avec moi. Hein. Bon. Mais c'est pas suffisant pour laisser tourner un serveur, quoi. Hein. C'est pas de gratuit hein, non plus, hein, un serveur. Alors là, j'ai changé ma carte graphique, hein, là, on sera en 4K pour l'épisode. Alors aujourd'hui, on va faire ce qu'on avait dit. Hein, je pense qu'ils sont tous et là-dedans. On va équiper le hover de propulseur. Hein. On a un emplacement là, hop, que je vais hop, modifier à la main. Nickel. Alors. Il va dans le côté là. Alors, ok. Donc j'avais dit hein, un avant, un à l'arrière. Un de chaque côté et 4 pour le monter je crois. Alors je vais allumer ma lumière, on verra mieux. Ouais, on va faire ça. Alors je vais prendre ma qui a changé hein, il me semble, je crois qu'il y a plus d'options maintenant pour dupliquer les choses hein, il me semble. Oh, je sais pas comment que... je sais pas comment que ça va en fait. Nous on va démonter de toute façon. Alors on va mettre un ici. Un autre là. Et on va tout de suite les placer. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas des arrondis. Hein, Là, je vois même pas comment qu'il est mis. Je crois qu'il est dans le mauvais sens. Alors, attendez. On va faire autrement. Ah. Prendre le drone. Toujours plus facile avec le drone. Là, il est dans le bon sens. Propulseur à l'avant. Comme ça, pour le freiner. On va
le tourner comme ceci. On va essayer de les mettre là pour tourner. Donc derrière, pour le soulever, si c'est des secondes sous le soulever qu'on avait besoin. Mais ça fait rien, on est obligé d'en mettre partout, hein. C'est un peu normal. Alors là, c'était en... deuxième position, bah après le... ici donc. Tourner aussi. Ah non, non, cela c'est pas pour tourner. Cela, c'est pour monter. Là, il n'est pas dans le bon sens. Comme ça, pour monter, il est dans le bon sens. Ensuite, ce... avant-dernière position. Ici, ok. Ah, d'ailleurs, il est abîmé, là. On n'avait pas vu, tu vois. On va profiter pour le réparer. Voilà. Et dans le bon sens. Donc les 4 pour monter. Il nous en reste 1. Je sais pas pourquoi. Ah oui, pour tourner. Je l'ai pas mis pour tourner. Donc là. On va sur démonter. Hop. Et là on va tourner, hein. Comme ça. C'est nickel. Je vais aller chercher plutôt de peinture. Mettre à la place. Je sais plus comment on faisait. Non, attendez. Ah, là, je l'ai mis en vert la couleur du... de... oh, c'est pas grave. De paillettes dessus, hein. Mais maintenant bah, on va aller le tester, hein. Il reste plus qu'à sortir de là. On va même profiter tant qu'il n'y a pas de drone. J'étais dans le mauvais sens en fait. Ok.
Ça marche pas. C'est pas assez puissant, je pense. On monte les montagnes quand même, hein, mais... Ah, j'ai pas remis la lumière, c'est vrai. Il est quand même en l'air, mais c'est pas ouf, quoi. C'est un truc qu'il faut que je mette. Faut voir. Allez. Il y a quand même plus de patates, hein. Alors, pas de dégommer, je sais pas quoi. Ah, il y en a plein ici. Chercher ça, on en a besoin. Chercher. Le robot. Du carburant, on aura besoin, hein, dans le vaisseau. Ah, il reste bien en l'air quand même, hein. Par rapport à avant, c'est quand même plus... Allez, on va essayer de retourner à la base vite fait. Ah.
Pas de tir là, on voit même pas. À la base est là. Ah, j'avais peur. Je me suis dit, ça rime pas ce con. Alors, je vais faire une petite ellipse pour voir comment ça se passe avec l'enregistrement. Hein. A tout de suite, les amis. Alors, les amis, on est de retour. Juste éteindre la lumière à l'intérieur, parce que ça flash un peu trop. Avec nos sols qui brillent de mille feux. Alors, niveau de la base, on est quoi? Comment en énergie surtout? Ah ouais. On va mettre 4. Ouais, même 3. Un seul suffisait en fait. Hein. On n'a qu'un réservoir. Hein. Alors voilà. Donc l'épisode va pas durer non plus 2 heures, hein, parce que en 4K, je vous dis pas, hein, il faut de la place sur les disques durs. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se faire aussi par rapport à notre inventaire? Ouais, j'en avais fait, je crois, oui. J'en avais fait des... Alors ça, ça a rangé, ça, ça a rangé. Ça, on n'a pas besoin ici parce qu'il y a de l'oxygène. Alors, c'est que j'avais rangé ça une autre fois. On va mettre ça là en attendant. Attendez. Je me demande si je l'avais pas mis dans le frigo. Et qu'on commence à être bien en tout, hein. D'ailleurs, ça, ça va dans le frigo aussi, ça aussi. Et le reste, ça va arranger ici. Il y en a aussi là, on va les enlever. Vous avez vu que je suis à la foreuse. Normal, hein, mon ancienne foreuse mécanique est là. Parce qu'elle, elle n'a pas besoin de biocarburant. Hein. Parce que là, on n'a pas des masses de carburant en fait. Hein. Mais bon. Faudra c'est que je vende un max de trucs pour là on avait quoi comme constructeur, je sais même plus. Ah, c'est que le gros constructeur, on n'a pas le constructeur avancé. Oui, parce qu'il nous manquait des choses pour le fabriquer. Ouais, les bobines d'énergie, on en a 8. Alors venez les drones là, punaise. Alors, dans le prochain épisode, on va aller faire une base hein, de drones là, justement. Hein. Avec ma méthode. Ma méthode va être de creuser un trou. Hein, et pour y mettre le hover, justement. C'est pour ça que j'ai mis des foreuses. Hein. D'ailleurs, il y a des choses dedans à récupérer. Il me semble. Il n'y a plus que 800 balles hein, dans le hover.
Alors, on va faire comme d'habitude, hein. Base. Et hop, direct tout là-dedans. Hein. Il me semble que dans le conteneur, les conteneurs, il n'y a que dalle. Donc là, il faut à tout prix faire des balles. Hein. Déjà. Caisse munitions, ouais. 800 balles, c'est pas assez, hein. Allez hop, on va faire ça tout de suite. C'est donc ces balles-là. Donc en faisant une, enfin en cliquant une fois, ça fait 100. Là, je vais en faire 2000. Hein. Allez. Il fait 20, on demandait 20. Hein. Comme on a du fer, hein, des minerais de fer, on a assez de cuivre. Non, on est pas mal sinon, hein, attention. Puis là, je viens de ramener encore un peu de silicium sur la... Et on a ramené du cobalt. Donc tout est bien. Hein. Ce qui nous manque, c'est ces deux maudites là. Ce que j'aimerais bien, c'est de démonter. Pour mettre une grosse. En mettre qu'une seule aussi. Mais une grosse. C'est comme ça. Ouais, niveau arme, ouais, dans ce roquette on en a un, il me semble. Ouais. On a du prometteur pour même se faire des munitions pour lui, mais bon, ça sert pas à grand chose. Si on aurait le modèle au-dessus, oui. Mais celui-là, non. Si on aurait le. Qui va tout de suite, tout seul à sa cible, hein, le radio machin, là, tu sais, ça y est. Ouh, orageux. Parce que là ça m'embête en fait. Ça m'embête vraiment. Hein. Ce que j'aimerais bien tester, c'est changer les moteurs, oui. Pour voir s'il n'y a pas moyen de. De le faire voler un peu mieux. On va regarder. On va dans l'ouvreur. Oh, ça y est, il a fini. Hein. Il est en train de faire la dernière là. On en a 2002. On va pas qu'on les oublie. Hein. Ouvreur. On a les V1. On a même les V2. V2, j'en ai jamais mis. Hein. J'essaie d'en mettre 4 comme ça déjà. Il faut du matos, ça. Il faut qu'on teste parce que là, pour moi, c'est pas bon. Hein.
Alors vous avez vu que dans le Uber, il y a pas mal de choses. Hein. Une petite station médicale, une chambre de connage pour respawn. Malheureusement, on pourra pas le prendre avec, hein. Mais sommaire, il a pas d'hangar au-dessus qu'il faut réparer. Non, ni encore pas, hein. Il faudra masse. Minerai hein, avant de pouvoir faire ça. Ah, ça va être long là. En attendant, on va aller voir si on n'a pas. La fibre, oui. Ah, ça nous intéresse, hein. Les légumes, encore des légumes, nickel, nickel. Alors, est-ce qu'on peut faire un steak? On va regarder ça tout de suite. Un burger, hop. Ça j'en ai toujours au moins 3 hein. Donc ça périme pas hein, dans le frigo. Nickel les amis, nickel. Alors on va encore tester avec les 3, les 4 moteurs là que je suis en train de crafter hein. Il en reste encore 2 hein, d'ailleurs vous voyez hein, c'est long hein. Ça serait dans le avancé, ça irait plus vite. Mais bon. Et ce vaisseau-là, bah... Ce que je suis en train de me dire, c'est que... On a 419 blocs de fer, hein, ce qui est déjà pas mal. Hein. Mais ce qui nous manque le plus, c'est les propulseurs. Hein. Il va falloir en faire. Hein. Il va falloir qu'on fasse aussi une cabine de pilotage. Le vaisseau mère. Hein. Et je vous donne 9000, ce qui nous manque, c'est toujours la même chose. Hein. Donc je pense que dans le prochain épisode, c'est ce qu'on va faire. Hein. Ou je me fais une base, ou on va chercher les minerais. Hein. Les minerais pour tout ça. Hein. Oscillateur. Parce qu'il va nous falloir des propulseurs comme ça, hein. Et des M. Hein. Des S et des M minimum. Hein. Et pas que ça. Hein. Après, si j'ai des minerais que je peux transporter là-haut, on peut les fabriquer dans le vaisseau. Hein. Le problème, c'est que j'ai pas de Nueva. Et sans Nueva, bah, dans l'espace, je vais mourir hein, de froid. Donc, il va falloir qu'on aille vendre des trucs à la fameuse station là. Oh, je sais plus comment on voit là. On la voit mieux quand on est dans l'espace. Hein. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a plus de drone. Hein.
Ah oui. Je l'ai mis là, hein, je l'avais descendu parce que. Avant elle était en hauteur, là, vous vous rappelez? Mince. Oula. J'en mets que deux, hein. Ça fait 2 heures de fonctionnement, hein. La qualité, elle est pas énorme, hein, 9%, hein. Donc, moins la qualité est élevée, et plus longtemps le produit, vous voyez, ça c'est le temps de fonctionnement avec les deux. Deux plus celui qu'il y avait déjà, hein, attention. Et je sais pas tous les combien de temps le produit, mais plus la qualité de la source est élevée, et plus vite ça va, hein. Il faudrait que j'arrive à mettre un capteur, mais... Ouais. Là, c'est pas grave. Là, ça s'ouvre avec moi. Parce que je voudrais que ça s'ouvre... Ça le laisse ouvert, et dès que je passe, ça va le refermer, vous voyez, parce que c'est moi. Mais lui, ça l'ouvre pas, sinon il serait ouvert là. Mais c'est pas là que je voudrais mettre un capteur, c'est là-haut. Enfin, en ouvrant comme ça, ça va aussi, mais le problème, c'est quand je pars de là, il reste ouvert le truc. Là, il faudrait que je creuse un peu plus pour le ranger un peu plus du côté de l'ouvreur pour pouvoir bien sortir avec le vaisseau, parce que là ça va craindre. Bon, on verra bien déjà comment ça va le soulever avec les autres moteurs. Je pense qu'ils sont faits là. Alors oui, c'est bon. Donc je prends tout sur moi, hein, pour... On va virer ça. Les 4 moteurs, les 2000 balles, comme ça on les met tout de suite devant, on n'oublie pas. Il n'y a pas de foreuse mécanique, hein, pour les petits vaisseaux, sinon ben... Il existe des foreuses laser, mais il faut être level 20 hein, minimum, je crois. On peut regarder, hein, les amis. On peut regarder ça vite fait. Alors, attendez. Non, c'est l'autre côté. L'arbre technologique. On va dans... petit vaisseau. Ouais, foreuse laser, c'est niveau 20, hein. Voilà, comme ça on sait que c'est pas la peine pour l'instant. Bon, alors je vais démonter. On va les placer. Ça va aller, hein, parce que chercher les grilles que j'ai enlevé, c'est des passerelles et rambardes, hein. En fait, moi j'en fais des protections, hein. Hop, on la tourne. Quand je fais ça, la manette, c'est un peu... Ça fait bouger tout, hein. Juste pour vous le signaler, hein.
Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, ça fait juste une protection. Hein. Ah, j'arrive pas à me positionner. Hein. C'est énervant. Hein. Voilà. Alors, on va retester. Ah ouais, elle remonte plus, ça, c'est sûr. Là, je crois que ça va être bon. Hein. Si je descends pas, je passe même pas la porte, là. Pas sur quoi il a tiré. On va faire un tour à la tour d'énergie là pour voir. Alors, ouais, il avance mieux mais moins vite. Hein. J'imagine parce qu'on est plus haut. Regardez la hauteur. Ouais, oui, c'est sûr. Sinon, maintenant, bah, c'est du 14 mètres seconde. Hein. À fond. Allez, 15. Mais bon, c'est ce que je veux. Hein. En fait, c'est pas non plus. Juste aller looter tranquillement. Hein. Alors, est-ce qu'il a fait quelque chose celui-là? Bah, il fait rien leur truc. Hein, Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est montrer. Est-ce qu'il monte les montagnes hein? Et non. C'est quoi? Dans le coin là, je l'ai vu. Il a des pop. Je vais essayer de lui mettre un M derrière pour faire avancer. Parce que là, pour aller en hauteur, c'est nickel. Hein. Thank you.
On va s'embêter. Je vais lui mettre un M là. Ouais, on va fabriquer un M. Là. Ouvert. Voilà. On va mettre un MV2. Ça pas demande trop de CPU non plus. Hop. J'en avais pas déjà fait, hein. J'espère. Non, je crois qu'on avait tout enlevé. Non, j'en avais pas. Juste de l'alliage des cobalt. Un rien de trop ouf. On a tout ce qu'il faut. Juste curieux pour voir si ça donne du peps pour la vitesse. Donc pour monter les côtes. Hein. Monter la montagne. Moi je veux qu'il grimpe la montagne le truc. Hein. Puisque la hauteur c'est bon maintenant. À l'avant, on lui laissera un S pour freiner, on s'en fout. Hein. C'est juste là qu'il faut. On va l'enlever. C'est tellement petit comme truc en plus. Là, ah, mais les autres aussi d'ailleurs. Ça, je vais pas les détruire, hein, ni les foutre à la poubelle. Hein. On peut se faire défoncer tellement vite ici. Avec toutes ces bases. Alors, on va faire encore mettre ce. Bah, je pense qu'il est fait là. Non, pas encore. Et ça va faire 3 de biocarburant en plus. Je vais me le faire là. Ah, je peux même en faire 5 là. Ça y est, il l'a fait. Déjà. En plus, c'est pas un. C'est pas un M normal, hein. C'est un MV2. Hein. Non. Je sais jamais où c'est le carburant. Donc, on en a. Ah, j'ai du bois aussi, c'est vrai. Bon, je vais déjà en faire 5. Ça, ça tourne. Parce que lui, il est comment en carburant? Il est plein. Ah, lui, il avait des questions là devant, c'est vrai. Je l'avais rempli presque en oxygène aussi. Il a pas, on n'a pas pu mettre de bouclier parce que ça dépasse trop. Hein. Parce qu'il est déjà en CPU2. Hein. Oui. Ah, il n'a pas beaucoup de munitions non plus. De toute façon, lui, il va nous faire servir à aller faire des allers-retours. Hein. Et celui-là, on le prendra avec, hein, par contre. Peut-être pas, on verra bien. De toute
toute façon, on est obligé de le prendre avec parce qu'on va le mettre sur le vaisseau. Hein. Mais la première chose à faire, c'est de... On va essayer de fabriquer des armes. Pour avoir de quoi s'acheter une tenue ou une d'or, il faut un agador, hein, en fait. Je vous montre. Ah. Il me manque un agador pour faire une tenue, un booster Eva. Une fois qu'on a le booster Eva, on est bon. Hein. On va pouvoir commencer à les bricoler là-haut. Mais un agador, il faut que j'achète de la trading. Là-haut. D'ailleurs, je vais essayer d'y aller pour voir. Déjà. On va peut-être faire ça encore pour l'épisode. Non, bah attends, c'est pas là, c'est au-dessus. Hein. Pour l'instant, on va tester l'ouvreur. Là, on s'aide bien en carburant, hein, 37 de petit pack, 7 de gros. Et j'ai du prométhium encore. Hein. Mais bon, je vais pas en faire des packs avec mon prométhium que j'ai, hein, si j'en loot sur les robots et compagnie. Et il va surtout falloir, prochain épisode, il y aura beaucoup de choses à faire. Hein. Alors on essaie de tester ce Hoover de malheur. Allez. On place celui-là. J'espère qu'il va aller. Hein. Ah ouais, ça va faire un gros machin. Hein. Mais c'est pas grave. Allez, on va le tester. Direct. Alors, pour le manœuvrer. Ce qu'on a quand même de mieux à faire, c'est de ranger ça. Hein. Let's go. Ah, là c'est mieux. Hein. Amis, c'est un test concluant là. Ça va, la consommation n'est pas en dessous, au-dessus de 10, je veux dire. Hein.
Après, j'ai pas regardé en pleine puissance. Si généralement en l'air et que je sors, pour voir la hauteur qu'il est. Je pense que la hauteur, elle a pas changé là en fait. Et là, il est bien. Hein. Nickel, hein. Un peu d'agilité, il manque. J'ai pas vu sur quoi il tirait, là. Ah, c'est bien, là. Il est nickel. Hein. Là, je suis content. Hein. On va voir comment il agit avec les minerais en dessous maintenant. Nickel, nickel. Alors, c'est un test concurrent, les amis. Hein. Vraiment concurrent, là. Hein. Celui-là, il grimpe les montagnes. Hein. Alors, vous avez vu, là. On a mis du V1 en dessous, là. Ou moteur over V1. À la place des simples. Du S des côtés. Pour le soulever aussi, hein, 4S. Et pour le faire avancer, on a juste rajouté un MV2. Hein. Bon, un M, je pense, suffisait aussi, mais bon. Alors, on est efficace, ça. Donc, voilà. Il m'a refait encore un bidon, donc c'est bien. Ça me tuerait les drones, mais... Ouais, j'avais dit qu'on essaierait peut-être d'aller à la... station. Ça, je fais pour vendre. Hein. Je suis sûr qu'ils achètent ça. Même les balles, hein, ils achètent. Alors, vous avez vu, on a de nouveau un Tempori. Il grêle.
Nickel. Là, je passe tranquillement avec le vaisseau. Ouais, oui, largement. Ouais, il est pas mal, hein. Pas mal du tout même. Ah, lui, on avait mis aussi un petit constructeur, hein, en fait. J'aurais peut-être pas dû. Ce qu'il lui faut aussi, c'est qu'on avait vu qu'il fallait des bastos. On va refaire 2001 pour mettre dans le vaisseau. Parce que l'autre, il en tire par. Enfin, le vaisseau, le petit vaisseau, il tire par devant aussi, hein. C'est dommage qu'on sait pas combien ça vaudrait un lago. Hein. Il n'y a pas des prix comme ça d'afficher. Non, parce que je suis sûr qu'ils vendent des Nueva aussi, les boosters Eva, ils en vendent. Mais là, ça va être cher. Hein. On va essayer de voir, on va y aller avec le petit vaisseau. Et on va voir ça. Déjà pour voir si je la retrouve, hein, la station. Parce que là, si je la retrouve pas, c'est mort. Hein. C'est finir ça. Comme ça je l'ai mis dans le bon sens, c'est tout. Je me rappelle même plus, j'avais fabriqué. Alors que j'avais dit, ah ici je me rappelle maintenant. J'avais dit que je le fabriquerais pas parce qu'on en avait déjà un dans le vaisseau mère là-haut. Et le vaisseau mère, faudra déjà qu'on le retrouve aussi. Je pensais que c'était ce que j'avais localisé là. Je crois que c'est une caisse qui était pas loin justement. Hein. Vous savez quoi les amis, je pense qu'on va faire ça dans le prochain épisode. Hein. Sinon ça va faire vraiment trop long. Hein. Même si je fais pas mal de vues sur Empyrion, hein, vous aimez toujours autant ce jeu. Mais qui est très sympa. Hein. Moi le seul reproche que je peux faire à ce jeu, je peux vous le dire, hein, c'est son moteur. Hein. Même s'il a vachement été amélioré. Non mais bon, je veux rien dire, mais moi, sur d'autres jeux, j'ai plus d'FPS que sur ce jeu. Hein. En 4K, hein, je parle, hein. Attention. Hein. Ça, c'est le moteur du jeu. Hein, qui. D'ailleurs, je sais même pas si je voulais la mettre en 4K la vidéo, hein, parce que... On est déjà à plus d'une heure, je pense. Ah, ça va vite quand on joue à ce jeu, de toute façon, le temps passe tellement vite. Alors je pourrais très bien faire des accélérés et compagnie, mais bon... J'aime pas trop ça, faire ça, moi. Après on y comprend plus rien. Ou 50 ellipses, là j'en ai fait qu'une d'ellipse parce que c'est juste pour voir si l'enregistrement est bien, passait bien. Voilà.
C'est vrai qu'on avait un truc pour se charger en oxygène, j'avais fait ça en fait. C'est vrai. Ah, c'est un beau petit vaisseau, hein. Le Christ II. Là, là. Ah, vous voyez, hein. Small Vessel, SV. Christ II, il s'appelle. L'autre, lui a pas donné de nom, hein, en fait. Il s'appelle votre navire au vol stationnaire, HV. Oui, avec un peu d'imagination, on peut faire pas mal de choses hein, sur ce jeu. Hein. Même là, hein, je pourrais mettre des coins arrondis. Hein, si je voudrais. Mais bon. Y a toujours moyen d'améliorer toujours tout. Hein. Vous dites. Bon, c'est la politique du jeu. Hein, quand je vois ce qu'ils ont fait en dernier, là, avec leur mage, soi-disant. Pour copier tout là et puis copier-coller quoi hein, des BP là. Et moi dans un jeu comme ça, c'est mon but, c'est de créer des trucs, c'est pas de copier-coller. Même si je suis pas tellement bon, mais je sais pas, moi j'arrive pas à comprendre ça moi. Là on a mis 2 épisodes pour tester le Rover quoi. Et maintenant on voit qu'il est fonctionnel quoi. Que je suis à 49 mètres secondes, presque en montée quoi. Parce qu'un Hoover, c'est fait pour ça. Il n'y a pas d'obstacle qui le bloque. Hein. Parce que ça, vous le transportez dans la vaisseau mère, hein, qui a un hangar. Mais vous êtes capable d'aller dans l'espace avec. Hein, comme il a des propulseurs maintenant. Hein. Si, il en manquera juste pour en haut pour descendre. Mais c'est pas compliqué hein, de mettre au-dessus là. Mettre 2 cubes et puis un autre S pour aller vers là-bas. Hein. Alors voilà. Alors les amis, n'oubliez pas les petits pouces bleus qui feront super plaisir pour le travail, pour la vidéo, puis pour l'algorithme YouTube, hein, comme d'habitude. Plus il y a de pouces bleus, plus vous faites remonter ma vidéo dans un certain classement sur YouTube, hein, en fait. C'est ça. Hein, puis bon, ça fait un peu aussi... C'est comme si vous mettiez une bonne note quoi sur la vidéo, hein, en fait. N'oubliez pas, si vous voulez mettre des commentaires, mettez-en, hein, moi ça me dérange vraiment pas, vous verrez que j'y réponds tout le temps. Hein. Après, bon, c'est sûr, il y en a qui sont sélectionnés, parce que ouais, si qui écrit des saloperies, il n'aura pas sa notif, son commentaire. Hein. C'est pas moi qui choisis, hein, c'est YouTube. Hein. Moi, je mets juste, je coche juste, les amis, comme ça vous saurez tout. Les commentaires les plus appropriés, quoi. Donc, me parlez pas d'un autre jeu, sinon, c'est pas la peine, c'est pas approprié. Quoique, des fois. Hein. C'est un ami qui faisait toujours des blagues et me mettait Fortnite. Hein. Alors, il sait très bien que j'aime pas ce jeu. Hein. Ah, j'ai joué 2 fois, voilà quoi. C'est pas mon style. C'est vraiment fait pour les jeunes. Et moi, je suis pas jeune, je suis un vieux déjà. Hein. Ouais. Pas loin de 54 ans, hein, même, disons. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Alors, n'oubliez pas les petits pouces bleus qui feront super plaisir, les amis. L'abonnement à la chaîne, si c'est pas déjà fait. J'espère qu'au mois de juillet, on sera au moins 350, hein, les amis. Prenez vos potes. Et partagez sur vos réseaux sociaux mes vidéos, bien sûr. Hein. C'est évident. Alors voilà, c'était Chris. Je vous dis à très très vite sur Empyrion pour la suite. On ira faire un tour à la station
pour acheter ce maudit lingot d'or. S'il y en a, hein, parce que c'est même pas dit. Si ça se trouve, il y en a peut-être sur la planète ici, hein, j'en sais rien moi. C'est que il n'y a pas d'or non plus sur normalement quand vous faites un départ normal sur à quoi? Il n'y a pas d'or non plus, hein, c'est pas marqué qu'il y a de l'or. Hein. Mais pourtant il y en a. Il y en a au fond de l'eau. Il y en a peut-être ici aussi. Hein. Bah, il n'y a pas tellement d'eau ici. Hein. Et sur l'autre, là on est sur une lune, sur la planète de lave, il y en a encore moins de l'eau. Hein. Il n'y a que de la lave. Et j'ai déjà vu des planètes de lave où il y avait des gisements d'or, mais là il n'y en a pas non plus. Hein. J'ai déjà regardé, ne vous inquiétez pas. Première chose que j'ai regardé même. Alors voilà. N'oubliez pas de partager sur vos réseaux sociaux, les amis. C'était Chris, je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, bye bye.